Il n'y a pas que des centaines de petits épargnants qui ont été bernés. Il y a eu des employés aussi, de même que des autorités québécoises censées protéger la population. Aujourd'hui, il n'y a pas que les investisseurs qui se sentent floués par l'Ovagenza, d'anciens employés aussi. Bonjour Karine. Karine Despatie était là au tout début de l'aventure, comme assistante au sein de l'organisation. J'ai cru, là. J'y ai cru, là, fort, là, au début, là. Jusqu'à un certain moment. Elle a tout abandonné il y a un an, profondément blessée et dégoûtée par son expérience. L'impression de s'être fait avoir. Selon elle, l'argent des investisseurs n'a jamais servi à produire des films. Bien, l'argent se dirigeait directement vers Jean-François et Geneviève. Et là, à partir de là, eux utilisaient ces sous-là pour faire leur voyage à travers différents pays pour différentes raisons, mais des endroits qui étaient quand même pas des, des petits motels et des petits hôtels, là. C'était des très, très beaux endroits. Ça, à un certain point, ça m'a vraiment choquée à un moment donné. Pourquoi? Bien là, moi, on me répondait, il faut être dans ces endroits-là parce que c'est là où se tiennent les gens influents, c'est là où est-ce que les bonnes personnes y sont. Cet ancien employé le confirme, des millions de dollars ont transité directement vers les comptes du couple Gagnon. Mais c'est sûr que c'est des gens qui ont une emprise sur l'équipe au complet, hein? C'est comme deux gourous, là. Qui nous donnent des directives, là, puis ils ont une petite équipe à leur service. Et puis là, nous, on est là pour on exécute tous leurs souhaits. Là. Karine réalise aujourd'hui que l'Ovagenza a réussi à endormir sa vigilance. Tu sais, c'est gros là, pour moi de dire le mot arnaque parce que, tabarnouche, j'ai été 4 ans à y croire. Je me suis fait arnaquer, moi, pendant 4 ans de temps. La fille qui est allumée, qui voit tout venir, puis... Mais tu te fais endormir tant que ça pendant 4 ans? C'est dur à prendre. À ce jour, plusieurs investisseurs sont ruinés. Certains envisagent des poursuites. Malgré tout, l'Ovagenza continue de gagner la confiance de nombreux Québécois en leur présentant son fameux projet de film hollywoodien. Et ce, sans être ennuyé par les autorités. Pierre-Olivier, ce qui amène à la question de fond, mais où est l'AMF? Qu'est-ce que fait l'AMF depuis les mois que ça dure? Paul, notre enquête démontre très bien qu'en 2015, en dépit de l'affaire Norbourg, en dépit du scandale Earl Jones, eh bien, il existe toujours des failles qui menacent la sécurité des épargnants québécois. On l'a vu, l'AMF a ordonné le blocage des comptes des dirigeants de l'Ovagenza. Elle a interdit toute sollicitation et, en dépit de ces interdictions, eh bien, les dirigeants ont continué d'opérer. Maintenant, du côté de l'AMF, on nous répond que l'enquête est sur le point de connaître un dénouement. Donc, reste à voir au cours des prochaines semaines si des accusations seront portées contre les acteurs de l'affaire Ovagenza. Merci, Pierre-Olivier.